bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Et le soleil est en train de se lever, je viens de remarquer, c'est incroyable, c'est magnifique. J'espère que vous allez bien, pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre survie modée en 1.16. Après avoir vu vos retours sur les 3 derniers épisodes où on était dans le Nether. Donc 3 épisodes qui étaient coupés, hein. À la base c'était un seul tournage, mais voilà. Alors vous allez peut-être me détester, mais aujourd'hui on va repartir dans le Nether, mais pas longtemps. Vraiment, je vous assure, ça va pas être long, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être incroyable. Voilà, c'est un épisode qui est censé être un petit peu plus chill et pourtant on va quand même passer par le Nether pour cela, mais ne vous inquiétez pas. Avant de commencer, parce que vous me l'aviez demandé à propos de mon shader, mes réglages, alors je vais quand même vous montrer. Donc d'abord voilà, je vous montre à quoi ressemble le shader tel quel quand on regarde, voilà, c'est incroyable. Donc pour vous montrer vite fait, shader, donc c'est le complementary shaders. Dans les shaders options, j'ai mis le profil custom. Alors non, à la base je suis parti sur le high et après j'ai customisé. Donc le high c'est le plus haut. Ensuite j'ai customisé la minimum light et je l'ai mis à 128. Voilà, c'était juste la petite retouche, je l'ai augmenté. Post caméra, voilà, j'ai ajouté l'auto-exposure en intense. En fait, tout ce qui est en vert, c'est tout ce que j'ai modifié. Le reste, c'est par défaut. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, le lens flare, la vignette, la motion blur strange que j'ai mis à 0.25. Mais dans tous les cas, je l'ai mis en off. Donc, c'est ce qui permet de faire les flous de mouvement. Et c'est dégueulasse en vidéo, les flous de mouvement. Donc, je les ai enlevés. Les shadows, voilà ce que j'ai retouché. C'est tout ce qui est en vert. Je vous laisse mettre pause si vous voulez. Après, ici, là, j'ai rien retouché. Juste watercolor. J'ai changé l'intensité. Ça change pas grand chose. Et j'ai rien changé ici. Au niveau du sky, voilà ce que j'ai bougé. Water, la water, j'ai aussi changé voilà, l'opacité pour que ce soit plus transparent. C'est beaucoup plus joli. Et voilà, c'est tout ce que j'ai changé, tout simplement. Et ça donne ce shader. Et vous le voyez, ça y est, donc je tourne cette vidéo avec ma nouvelle carte graphique, la RTX 2060 Super. Je suis trop content, c'est super cool. Donc voilà, niveau qualité, je devrais vous faire kiffer. Ok. Alors avant de commencer cet épisode, excusez-moi, je pars dans tous les sens, j'ai eu une idée pour la base dans le Nether, je vais vous en parler dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais juste qu'on fasse quelque chose qu'on n'a pas encore fait et qu'on peut faire, c'est ce chapeau là, le chapeau d'explorer, parce qu'aujourd'hui on va explorer, on va passer par le Nether mais c'est normal, mais aujourd'hui on va être des explorateurs. Alors il nous faut de la white wool, des white carpets et du cuir. D'ailleurs, je me suis rendu compte, on a énormément de laine. Alors forcément, en off, j'en prends un petit peu sur les moutons. Mais on en a beaucoup. Et encore les ficelles, hein, c'est pas ce qui manque non plus. Autant vous dire qu'on se fait plaisir. Donc je fais les white carpets. Il nous faut un petit peu de cuir. Il nous faut un petit peu de laine. Bon, j'en prends plus qu'il en faut, c'est pas grave. Et on va se crafter le petit chapeau. Alors on peut faire un cowboy, un chapeau de cowboy, mais ça m'intéresse franchement pas. On n'est pas sur ma aventure. On va faire un chapeau d'explorer à la Indiana Jones. Ça y est, on l'a crafté. Il est là. D'ailleurs, je vais pouvoir l'enlever de en haut à droite. Ça nous fera de la place. Je vais juste re-ranger directement ça. Ok. Et maintenant, alors ce qui est embêtant, c'est que du coup, je dois enlever mon casque. Hop. Oh putain. Voilà. Bon, hey, on dirait un chapeau de sorcière. Voilà, je suis Indiana Jones avec un stuff en diams. Vous avez des questions? Voilà, mais au moins je l'ai fait, je suis content. Voilà, ça fait plaisir. Du coup, je vais le mettre dans mon backpack. Ce sera pour après, vous allez voir quand on va explorer. Ça va être assez, assez marrant. Ok. Un truc aussi très important et je suis trop content. Est-ce que j'ai des graines ici? J'en ai pas. C'était pas prévu, je me le suis noté sur le papier parce que sinon j'allais oublier. Mais les poulets, ça fonctionne là, les graines ici, regardez. Bah voilà, il y en a aucune, comme ça c'est confirmé. Ça fonctionne. Genre les poulets se sont reproduits tout seuls, même avec la feeding trough ici. Et ça, ça pour le coup... C'est juste génial. Donc regardez comme ça. Bon là j'en ai que deux. On va vite fait reprendre des graines pour que bah, vous voyez le délire. Je sais pas. Je pense que ça va marcher en direct parce que ça fait un petit moment qu'ils ont pas été nourris, j'imagine. Voilà. D'ailleurs les moutons, ça fait longtemps que je les ai pas reproduits. Allez, reproduisez-vous. Donc là regardez, je vais mettre les graines ici. 14. Hop. Et voyons voir. Est-ce qu'ils vont le faire devant nous? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut quand même qu'ils fassent l'effort de sauter. Mais ça fonctionne. J'ai vraiment perdu des graines pour le coup. Tu vois. 13. 12, voilà, tu vois, ils sont en train de les prendre. 11, 10, on les entend, c'est génial. Voilà, donc c'est incroyable. Niveau nourriture, on va être excellemment bien. Ah les vaches, j'aurais dû les faire reproduire parce que j'ai dû faire un génocide il y a pas longtemps. C'est pas grave. Aussi, je vous montre ce que j'ai fait en off. Regardez les bambous, j'ai continué voilà à entourer la base de bambous. C'est super mignon, je suis assez content. Donc là, pareil, j'ai un petit peu continué. J'ai ajouté des lanternes parce que je trouve qu'on se fait quand même vachement vite agresser la nuit. Et c'est bien dommage, j'aimerais bien que ce soit bien safe. Voilà, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire pour cet épisode? On y arrive enfin. Ce que j'ai envie de faire, dans tous les cas, il nous faut de l'or et de l'obsidienne, notamment. Et de la bonne mille aussi, très important, la bonne mille. Donc je vais prendre l'or ici. L'obsidienne, j'en ai une ici, mais je pense que j'en ai encore ailleurs. Mais oui, attendez, j'ai de l'obsidienne ailleurs. Là, 12, c'est impeccable. Il nous faut impérativement un briquet aussi, évidemment. Alors attendez, où c'est que j'ai un briquet moi?
Ah là ici j'avais pas vu, voilà. Ok, j'ai le briquet, voilà. Ce qu'on va faire les amis, j'ai envie qu'on parte, qu'on explore. Mais du coup comme dans le Nether vous savez que ça va plus vite, puisqu'on parcourt dans le monde réel un bloc, alors que dans le Nether on parcourt 8 blocs. C'est l'inverse. On parcourt un bloc dans le Nether et ça nous fait parcourir 8 blocs dans le monde normal. Donc on va partir dans le Nether, on va partir. Si on se trouve un coin sympa, ce serait excellent. Et ensuite, je me fais un portail et on découvre dans le monde normal où c'est que ça nous génère, et on va découvrir avec notre chapeau de cowboy d'aventurier pardon, on va explorer de nouveaux horizons tout simplement. Et donc j'ai une idée de base dans le Nether, c'est incroyable, il nous faut la bonne mille. Je n'oublie pas, il nous faut la bonne mille. Si jamais on trouve un coin sympa, pourquoi ? Bien parce que vous me l'aviez dit. Voilà, je pense que ça suffira, puisque quand on pose de la bonne mille sur la Netherrack, ça se transforme en bloc vert, je ne sais plus le nom, mais c'est, ça fait du bloc vert, et ce bloc vert nous permet de ne pas faire spawn les méchants loups, donc autant dire que ce sera un coin bien safe. J'ai entendu un zombie, ça m'a fait peur. Vous voyez la machine à bambou qui fonctionne nickel, de même pour les œufs. Je vais me permettre de prendre, on a nourriture infinie, donc autant se faire plaisir. Normalement j'ai rien oublié, j'ai toujours ma hache sur moi, j'ai un arc sur moi avec des flèches, donc on dit pas non. Et normalement on a tout ce qu'il faut. S'il nous faudrait un seau d'eau, parce que on va certes passer dans le Nether entre nous, mais après on sera plus dans le Nether. Le bouclier il est bon, ouais, je pense que c'est bon. Ah bottes en... Ah oui attendez, j'ai les bottes soul speed. Du coup on va se faire un casque en or. Oui on va se faire un casque en or les amis. Comme ça je peux avoir les bottes soul speed sans avoir de problème. Voilà, j'aurai toujours une pièce d'armure en or. Hop, là, voilà. Je vais ranger ça ici tranquillement. Normalement on a tout, on est bon. Mon épée, ah il faudrait que je répare avant de partir. Je vais devoir claquer un peu de diamants et d'XP malheureusement, mais c'est pas grave. Ah, c'est le risque du métier. Voilà, 5 niveaux ça me paraît bien. Ouais, c'est quand même une sharpness 3, donc voilà. Et de même pour la pioche. C'est une quoi, une unbreaking efficiency 2. Ça vaut peut-être pas le coup là. Ça vaut peut-être pas le coup. Ouais mais j'en aurais... Ouais mais si après elle casse et tout, c'est la merde. Voilà, donc voilà, je préfère. Faudra vraiment en off que je refasse un peu des enchantes et du minage. Du minage opti, j'entends. Parce qu'aujourd'hui, on va potentiellement également miner. Hein, on va explorer des nouveaux horizons. J'ai tout ce qu'il faut. Non, j'ai pas... Ouais, tu vois, je suis désolé. J'ai pas tout ce qu'il faut. Il nous faut une selle et il nous faut la carotte là sur le... Pour pouvoir aller sur la lave, etc. Et comme ça, je vais vous parler d'ailleurs de mon idée de base. Incroyable. Ok, voilà. Maintenant, j'ai officiellement tout. Voilà, là, on est vraiment pas mal. Ok, mon idée de base, est incroyable. J'y avais pas pensé jusqu'à présent, mais c'est vrai que ça peut être vraiment la solution à tous les problèmes. Alors peut-être que vous m'aviez sollicité et donné des idées de base, hein, mais j'en ai une. D'ailleurs, mon pote. Ah oui, il est gentil, pourquoi il était pas assis? Je vais le laisser debout, il va me suivre, voilà, hein, pour un petit peu se faire plaisir. On va faire une base souterraine dans le Nether. Quoi qu'il arrive, elle sera souterraine, mais elle sera visible en extérieur. Je m'explique. En gros, je veux que ce soit gigantesque et qu'on se sente bien à l'intérieur. Tu vois, genre que ce soit vraiment une belle maison, voilà, une belle base. Mais évidemment, il y a un extérieur. Voilà, un petit peu comme ma maison actuelle. On voit la maison extérieure, mais en réalité, il y a tout un monde en dessous. Parce que voilà, il y a ma machine, il y a le faux Nether, il y a ma salle des coffres, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, on va faire une gigantesque base sous terre, mais qui sera visible à l'extérieur. Et attention, elle sera, les amis, sous la lave. Voilà, j'ai envie qu'elle soit sous la lave. Et en gros, j'ai vu qu'on pouvait donc la technique pour enlever de la lave, et j'ai pas pris les blocs, j'aurais dû. C'est avec du gravier. Voilà, il faut poser du gravier à chaque bloc pour que la lave s'enlève, etc. Et du coup, voilà, dans un étang de lave, à côté d'un beau biome, genre comme là, tu vois, genre les biomes comme ça, ça me plaît bien. Donc, ah, il y a un grand étang de lave, mais on va peut-être pas s'installer là-bas, hein, de toute façon. Ah ! Pardon, excusez-moi. On va pas s'installer là, mais voilà, un grand lac de lave, on ira là-dedans et on s'installera dedans, tout simplement, et on se fera une grande base, pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Alors attendez les copains, laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Ah, je sais ce que j'ai pas pris, les potions de fire résistance, c'est pas grave, parce que sur le chemin, on va troquer avec les... On va vite fait troquer, vous inquiétez pas, on va pas perdre de temps, et je vais faire en sorte d'aller le plus vite possible. Je n'ai absolument aucune envie de vous saouler encore dans le Nether, 4 épisodes de suite, donc je vais faire en sorte, voilà, je vous promets rien, mais je vais faire en sorte d'aller le plus vite possible. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Après voilà, c'est une série orientée Nether dans tous les cas. Ah yes, ça y est, on voit le mec courir là-bas, donc c'est tout bon, on va passer par là. Salut les copains. Alors je rappelle que dans le dernier épisode, on a dû partir en sauvage, étant donné qu'on a tapé malheureusement un piglin, enfin du coup un pigman tout court.
Alors attends. Mon coco, est-ce que tu peux me troquer de la fire résistance? Et toi aussi là, aide-moi là gros. Viens par là. Voilà, je veux juste une petite fire résistance pour être bon et après on peut se barrer. Ok, c'est toujours ça de prix. Oh, il y en a encore un là-bas, comme ça va mille fois plus tôt. Oh, il y en a tout plein, les gars! Il y en a tout plein, il y en a quatre au total. Eh, frère! Là-haut aussi, venez! Incroyable, ok, on a encore ça. Ah oui, ça, faudra essayer du coup la Crying Obsidian. Là, de l'obsidienne encore, comme ça, si jamais j'avais pas assez, très bien. De la Soul Sand. Il est passé où mon loup là? Mon petit chien, je sais pas où il est. Trop bizarre. Je sais pas où il est. Je l'entends, hein. J'entends, mais je le vois pas. Allez, une petite fire résistance. Ok, apparemment j'ai regardé l'Enderman. Faut croire. Bon, ça va. Je suis plutôt badass avec mon épée en vrai. Ah bah il est là mon loup. Je sais pas ce qui s'est passé, trop bizarre. Oh, des Enderperles, excellent. Oui, du coup là, lootez-moi. Il m'a fait peur. Lootez-moi, juste une petite fire résistance et c'est réglé. Je sais que vous en avez. Allez. Bon, c'est pas grave, hein. Ils nous remplissent le sac à dos. Toujours ça de prix. Bon, je réessaye encore. Plus que 35 lingots, voilà. Et après j'arrête, sinon c'est pas grave, on en aura pas besoin. Mais c'est si jamais, tu vois, je préfère. Ok. Bonjour monsieur. Putain, mais ils travaillent pas eux là-bas. Les gars, s'il vous plaît là. Du cuir. De, ok, de la sous-scène. Bah, on va jamais y arriver, on va jamais avoir de... C'est pas grave hein, si on en a pas, mais voilà, j'essaye quand même. Ah, ça y est, c'est bon, j'en ai une. Hop, c'est bon, arrêtez tout. Arrêtez tout. J'en ai une, je vais me la mettre là au cas où. Ah, c'est des pépites de fer. Voilà, c'est bon, encore un. Merci monsieur. Oh bah, deux fire résistance, nickel. Voilà, on pouvait pas faire mieux. C'est bon, on peut se barrer mon ami. Ok, donc là on va partir les amis, tout simplement dans une direction de type sympathique. Je sais pas où on va aller. On va partir relativement loin. Après maintenant on commence à connaître le chemin. Enfin moi pour ma part je connais un petit peu le chemin pour revenir à ma base ultérieurement si jamais. Donc il y a pas de problème. On a la forêt juste en dessous. En plus de toute façon qu'on passe par en dessous ou au dessus c'est pas grave. Étant donné que là j'avais fait un escalier. Alors il doit être casse-gueule mais j'avais fait un escalier. Ah oui là c'est casse-gueule. Ok c'est bon. Et voilà. Et j'avais fait un escalier juste en dessous. Voilà. Ouais c'est pas le truc le plus optique que j'ai fait. Mais en tout cas faut mieux passer par en dessous. Mais comme là je voulais passer par au dessus. Bonjour monsieur. Voilà et donc là on passe par là. Oh c'est beau. C'est beau. Alors attendez. Est-ce qu'il y a... Ouais là il y a une petite bête pour aller sur la lave tu vois. Donc on va descendre et on va se la choper. Et on va se casser. Ah. Hop. Monsieur, ah bah oui en plus j'étais passé par là. Mais c'est génial. Là je suis en train de faire tout plein de chemins et tout qui mènent au même endroit. La seule petite bémol, c'est que je dois quand même passer par là. Puisque puisque je n'ai pas de bloc hein, tout simplement pour poser des blocs. Allez on descend. En tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que la série vous plaît toujours autant. J'ai vu évidemment donc vos retours, je suis content de voir ça. Voilà, il y a de moins en moins de vues sur cette série. Moi heureusement je prends toujours autant de plaisir à la faire. Encore une fois je me répète et donc c'est pour ça l'intérêt que je la continue. Et puis voilà, au moins je me dis que plus tard s'il y en a qui découvrent cette série, ils la regarderont proprement une fois qu'elle sera terminée. Et donc il n'y a pas de problème. Viens par là mon coco. Oh putain il fait chier. Eh oh. Allô. Oh mais quel bouffon. Y'en a pas là un côté là? Oh j'ai failli tomber dans la lave. Y'en a un plus loin là-bas. Là aussi mais ils sont trop loin. Les cocos. Vas-y, comment on les appelle ça les amis? J'ai envie de leur donner un petit surnom là. J'ai envie de leur donner un petit surnom parce qu'ils sont quand même vachement teubés quoi. Attendez je vais prendre des blocs. Ils vont pas m'en vouloir les cocos là. Voilà. Hep 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 hep. Par ici. Bon on va aller le chercher hein. On va aller le chercher. J'entends pas de ghast hein, pour le coup c'est assez sympa. Il est où? Oh mais t'es sérieux? Gros il abuse. Gros c'est un troll ce truc. Ce truc c'est un troll. Hep hep hep. Voilà voilà viens. Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois pas? Bon. On va aller le chercher je t'ai dit. De toute façon il faut qu'on parte là. Il faut que... Voilà. Une fois qu'on est parti on pourra retourner dans le monde normal les amis avec un nouveau portail. Ne vous inquiétez pas. Putain ils font peur. Putain ils font peur de ouf. Voilà viens là tu me vois c'est bon là tu m'as vu. La selle. Hop hop.
Hop, hop, voilà, je suis sur toi. Allez, on y va, on s'arrache. Du coup, on va partir. Eh, on va partir par là-bas. Pour changer. Parce qu'on était déjà parti par là-bas. Donc, on va aller par là-bas pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, là, on va passer en dessous de, bah, de là où on est, en fait, tout simplement. Puisque là, en fait, c'est juste au-dessus, là. Au-dessus du toit, là. C'est là où il y a le, la forêt verte où on a spawn, etc. Donc, là, on est en train de passer en dessous. Ah bah non, elle est là en fait, elle est en face si je dis pas de bêtises. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre. C'est compliqué le Nether en vrai. Ah non, là je suis en train de revenir. Ouais mais c'est... Voilà, en fait c'est ici. Ouais c'est ça, la forêt elle est juste au-dessus, voilà c'est ça. Mais nous on va continuer par là-bas. Mais en tout cas voilà, nous on a spawn juste ici. Juste au-dessus quoi. Mais nous on va continuer là-bas si ça marche. Ah putain, il n'y a plus de lave là-bas, c'est un cul-de-sac. Je me suis fait calotte. C'est pas grave, on découvre quand même des nouveaux endroits. C'est l'essentiel. Le but du jeu, juste, c'est qu'on découvre des nouveaux endroits. De toute façon, c'est ça la série, c'est on se fait plaisir, on kiffe et tout. On se fait un petit peu des petits objectifs qu'on improvise, c'est bon, ça continue. Voilà, on se fait des petits plaisirs. Parce que je vous rappelle qu'à tout moment, je peux arrêter la série, étant donné que l'objectif, c'est juste de se faire une base dans le Nether. Voilà. Et éventuellement de découvrir un bastion. Alors, ce serait vraiment stylé pour le coup, vous savez quoi? Qu'on en trouve un aujourd'hui. Alors, je sais que j'ai pas envie qu'on passe trop de temps dans le Nether, c'est magnifique ici. Mais voilà, genre, on trouve un bastion. On trouve un bastion et on fait le portail juste à côté. Comme ça, ça ferait un checkpoint. Tu vois? Et comme ça, on saurait... Excusez-moi, on saurait où c'est qu'il y a le bastion. Ce serait excellent ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous m'avez répondu à la question où est-ce qu'on trouve des bastions. Donc apparemment voilà, on en trouve dans tous les biomes. Chose qui est plutôt sympathique. Par contre c'est très joli par ici. Et franchement faire une base ici, ça me plairait de ouf. Ça pourrait être bien sympa. On est juste à côté de notre spawn. Il y a du cristal partout. De la lave, je peux faire mon truc sous la lave. Ce que je voulais faire. À voir. Oh regardez. C'est quoi, c'est un nouveau biome? Oh, il y a les gros cochons, là. Ok. Bon, là, les amis, je suis désolé. J'ai dit je voulais pas qu'on traîne dans le Nether. Mais là, on découvre. Enfin, moi, je découvre, là. Je connais pas. On est encore jamais venu ici et c'est pas loin de... Ah ouais, c'est chaud, hein. Et c'est pas loin de chez nous. Putain, c'est incroyable. Faudrait que tu restes ici, mon ami. T'as intérêt à rester ici, hein. Ah ouais, mais ils vont m'attaquer. Mais en fait j'ai peur que si je l'attaque. Voilà, reste ici. Si je l'attaque, les piglins ils vont pas m'attaquer. Non c'est bon. Ok c'est bon. J'ai cru qu'il allait me mettre cher. Attends, je vais mettre une torche ici. Ok, bonjour messieurs. Et là on trouve un bastion mon pote. Juste faire gaffe à pas taper. À pas taper les gentils. Non, te barre pas. Vas-y, m'emmerde lui. Eh, hey, mon pote. Mon pote. Oh. T'en vas pas. Si tu l'aimes, t'en vas pas. J't'en. Oh là, je vais rattraper, je m'en fous. Mec, j'ai besoin de toi en fait. Je t'explique, j'ai besoin. Putain, mais c'est pas possible d'avoir des trucs aussi cons que ce. Franchement. Franchement, c'est bête, c'est les. Non, mais il rentre chez lui là, sans déconner là. Il est sincèrement en train de rentrer chez lui là. Non mais tu me prankes là. Oh, non mais ça, franchement ça me dégoûte ça. Ah c'est bon, il revient. Je vais l'enterrer. J'ai entendu vos conseils là. Vous me l'avez crié. Mais non mais c'est une blague. Je vais l'enterrer de rien du tout là. Il veut pas venir. Attends, j'ai de la sous-scène mon pote. Ouais, tout va bien. Voilà pourquoi fallait une fire résistance. Exactement pour ça. Putain mais c'est un truc de ouf hein. Heureusement les fire résistance c'est un truc qui est pas rare. Et je peux me permettre de faire ce que je viens de faire. Mais putain c'est abusé d'ailleurs. Attendez, si on va sous la lave. Oh, on peut voir un peu. On peut un peu glitcher. Ah je suis dead, ça me fait chier. C'est pas rare, j'en profitais pour lui courir dessus et le sauter dessus. Elle dure 3 minutes je crois la fire résistance. Ouais c'est bon. Ah ouais il est loin. Allez on va tenter comme ça. Et c'est long hein. C'est long de ouf hein. J'espère bon déjà je peux. Voilà, viens vers moi. Viens vers moi mon pote. Non mais c'est pas vrai. Et on va quand même passer tout l'épisode dans le Nether. Je suis désolé les amis. Voilà. Allez maintenant tu viens. Et je vais et on va continuer. Vas-y on va continuer. Fuck là-bas c'est trop pourri.
On va continuer et on va se faire le portail du Nether à quelque part là ici et on va s'en arrêter là pour cet épisode et on va découvrir où c'est qu'on va atterrir dans le monde normal. Mais pour moi on n'est pas encore assez loin, c'est ça ce qui m'embête. Donc en vrai à tous les coups on va être pas loin de notre base. Mais bon c'est pas grave. On va bien voir, on continue un petit peu par là, on se permet un petit épisode de 25 minutes si ça vous va. Et voilà, dès qu'on aura trouvé un petit coin sympa, on fera le portail. Et les bruits sont vraiment étranges dans le Nether, hein. Pour le coup ça fait vraiment flipper. On peut continuer par là. Putain mais c'est méga stylé en vrai. En vrai c'est, c'est méga stylé. Hein. Ouah je kiffe. En fait regarde on dirait des coraux. On dirait vraiment des coraux. En tout cas c'est cool. Là vraiment pour ma part je découvre de ouf. Oh, mais c'est méga beau. Eh ça me fait penser aux End Road là. Les... Vous savez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oh c'est trop beau. Attendez on se croirait dans Code Lyoko. On se croirait dans Code Lyoko, vraiment. Pour ceux qui ont la ref. C'est un truc de ouf. J'adore. J'adore, je peux y passer des heures là les amis. Y a pas de bastion en vue. Après j'ai peur, hein. Si jamais vous voyez que je passe à côté, n'hésitez pas à me dire. Je pense que c'est assez colossal. Mais sincèrement je sais pas trop à quoi ça peut ressembler, hein. J'ai pas l'habitude, par exemple comme un donjon que je connais depuis très longtemps. Voilà, moi, pour moi c'est tout nouveau donc je suis pas sûr de pouvoir reconnaître. Si jamais mais, oh, mais c'est méga stylé et franchement les gars, ok c'est dit. C'est dit c'est fait, ça tombe bien et je le fais pas à la va-vite. Alors toi par contre mon pote, hé mon pote, tu restes ici. Je vais l'enterrer. Oh c'est quoi ces blocs? Je vais vous dire un truc les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Et je crois que là, ah bah c'est bien il est con. Nickel. Non. 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 Voilà, reste ici. Et ce qu'on va faire les amis, franchement parce que c'est trop beau, déjà on va faire le portail ici. Et surtout on va s'installer là. Et je pense que vous serez tous plus ou moins d'accord avec moi. On peut continuer par là sereinement de se balader. D'accord, on peut continuer. Y a pas de méchants. Y a pas de loups. Y a pas de ghast. Mais attendez, mais c'est quoi cet endroit? On est dans quel biome? Ah mais on est dans un biome de Biomes of Plenty. C'est excellent. C'est pour ça que c'est magnifique. C'est Biomes of Plenty. Et on va s'installer là. En vrai on a trop de possibilités. On peut s'installer sous la lave là, ce que je veux faire, tu sais, faire une structure et tout. Et en gros, on fait tout un truc et il y aura un plafond de verre. Du coup là ce sera un sol de verre et on verra à l'intérieur de la base. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'ai mon idée, alors peut-être que je vous la vends mal. Là on peut se faire, voilà, on peut se faire des petites bases là où je mets ma torche. Non mais franchement, c'est magnifique. On s'en arrête là les amis pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va sortir d'ici du Nether et on va explorer dans le monde normal, tout simplement. On fait ça comme ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le pouce bleu, n'oubliez pas de partager la chaîne à vos amis. Soutenez-moi à fond. Merci à tous d'être présents sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde!